Zamitay Haïti Media on yo, nan moment mwen avec nous n'a parlé ya la, bagay yo vin pi mélanger, yo vin pi mangon men. Ancien ministre Paul Denis li parle kou SNEG ki prend en courant après mandat ça, yo fin mette derrière. Commissaire gouvernement Bedford Claude semblerait-il li pat fè faute du tout, li kon sa la règle ya, c'est pas yon abi la fè bishop yo nan pays ya. Nou pral parler koze, m pral bon detay yo, mais m ap mande en signe d'encouragement et de reconnaissance pour capable abonner avec channel YouTube Haïti Media on lan. L'on fait ça, ou après te pi prêt information an, et en même temps, ou ap kapap facilite yon lop moun, découvri Maman Pemba qui se Haïti Media on. Zami mwen yo, comment nous yé, on est respect pour nous tout. Est-ce que nous en forme? Est-ce que nous kembe? Toujours même love la, à chaque fois ou d'accord, fait clic ça, pour koute voir information an, kap bo detay yo, sans wete, sans mette. Paul Denis, ancien ami, président Préval, qui devance nous depuis un bon bout de temps, après mandat sa, yon met des domiciliés comme quoi il était participé dans complotay krasay que au fait sous président Jovenel Moïse. Eh bien Paul lui-même lui fait comprendre gen en pilote autorité dans gouvernement de facto ça que la justice ta supposé marrer parce que nek sa yo découvre un paquet bon relation que yo gen avec majorité moun qui t'a cité dans la mort Jovenel là. Mais si apparaît plus direct lui fait comprendre si gen mandat qui lancé derrière Félix Joseph Badi yon nan moun comme quoi information ta fait quoi c'est lui même qui t'est passé l'autre pour exécuter président. Et bien selon Paul Denis li fait comprendre Badio li c'est yon bois droite pour ministre justice actuel là en parlant de Rockefeller Vincent. Et Paul Denis mande pas un problème pour mandat sa mette d'elle là, mais si n'a font bagay ki pi sérieux ki pi loyal, il faut que yon mette mandat derrière Rockefeller Vincent qui c'est actuel ministre de la justice. Zami Haïti Media on yo, Paul Denis fait comprendre c'est grand moun lié, li pa ka bay menti nan l'âge qu'il rive là. Li fait comprendre effectivement, li te aux États-Unis d'Amérique nan yon réunion tête à tête, yo te genyen avec Christian Emmanuel Sanon qui te souvent fait quoi, li son pasteur, li son docteur. Mais pendant ce temps, après tout sondage, yo wè tout tit sa yo, c'est bon cathédrale misye tal pran yo. Zami mwen yo fòm di nou, gen an pil gros bishop qui te présent nan moment, selon façon Paul Denis parle, et bishop sa yo se nek ki vraiment influent nan secteur protestant. Parmi yo gen pasteur Forge, gen pasteur Gérald Bataille, avec yon lot ke Paul Denis li même li pa cite non, semblerait-il que li pa reconnaître visage la. Mes amis Haïti Media on yo, si j'ai quitté principal ou bien essentiel que nèg yo tap débat à rebot tabla, c'est Christian Emmanuel Sanon qui t'a parlé pour dire nèg yo j'en li envie prend tête pays d'Haïti avec force. Elle te fait comprendre ti bataille ça que y a fait contre Jovenel Moïse pour jeter président, vle pas vle faut qu'il y aller mettez chan dans la rue, ou comprendre a chanter yon combat et yon combat nous compte tout bagaille déjà. Et bien Christian Emmanuel Sanon nan moment rencontre ça, il te dit que ti bataille ça li trop faible, li trop wowot. Il faut que nèg yo mette yon force diaspora haïtienne là-dedans pour le capable gen jevrin. Ou tande, paste kare bon table, y a concerté, y a parlé pays. Au contraire, mban se nèg sa yo, yo gon foi chrétien, yo da di bon, nan bay pays d'Haïti la an priye. Ah, ok, la foi sans l'action est vaine. De ce fait, nèg yo te oblige rentre dans complotay pour yo te capable ou ete la vie président nan façon en pile nan nou konnen. Zami Haïti Media on yo, selon Paul Denis, Christian Emmanuel Sanon, li te mande avec Polo, est-ce qu'on intègre équipe là, est-ce qu'on d'accord pour nal chavire Jovenel nan le ou la façon. Paul Denis nan micro qu'il t'a parlé, li fait comprendre li te tande effectivement. Sa Christian Emmanuel Sanon t'a parlé nan réunion an, mais le passé nan oreille gauche, li sorti nan oreille droite, li te dimisye, li refuse intégrer équipe ça que Moucha te mande pour entrer là-dedans. Journée jodi a ke nek sa yo, yo fait yon fiasco total. De ce fait, Paul Denis li a oui effectivement que pasteur Forge, pasteur Gérald Bataille là lui-même li té sous table effectivement avec yon l'autre nèg qu'il pas cité non, mais quand même ou mettre pozo comprendre kakaje palinette et plim je le fait red quand même on jou kou journée jodi a n'a va konnen l'autre bishop influence dans secteur protestant. Bagay yo vraiment grave, bagay yo en pile oui, mais n'a konnen bien mais sa politique en Haïti fait moun dande nèg la propose mette gros costume li sou li bibli en baboual, li pa même ka lever mon boule salio. Même pendant ce temps tout nek sa yo senti cri yo genyen sans Jovenel Moïse en bazong yo.
bagaille vraiment grave zami mwen yo et me dit nous là Paul Denis li mettait toute cacachade dehors et le fait comprendre li praler directement dans paquet bon côté le paquetier Bedford Claude li praler répondre toutes questions yo mes amis Haïti Media on yo ça important intéressant pour me faire qu'on est là ti non yo rele Jovenel Moïse là les mi c'était dans vivant li té rondon mon même dans cadavre Jovenel lui pour mi c'est red comme ça messieurs allons ti nom nèg la bay problème ni bay problème ni bay problème et bien zami mwen yo ou mettre tan parce que nation j'aime te souvent dit nous dans dossier bagaille lan moi Jovenel ça chaque jour qu'a passé c'est y a en question de Tevervin la caillou sur petit plante la mouri balo parce que saisissement chaque jour la prendre imaginez nous yon pays koué pays d'Haïti nous gon on peuple haïtien qui vraiment incrédule qui difficile pourquoi imaginez dans 21e siècle ça côté tout monde fait filo y a étudier dans gros livre là pour nous pasteur influence a yo a répéter nan zakrazay maspinay que yo fait sous président Jovenel Moïse monsieur nous pas être en pile et m'a bo là nan moment est-ce que moun sa ou presque nan dimanche là après quelques jours m'a tombé nan dimanche effectivement est-ce que bagaille là et konsa pral pa être dans l'église là pendant que la police a cherché couè chien fou pasteur Forge pasteur Gérald Bataille plus l'autre là que nous poko connaît selon Paul Den parce qu'il dit trois gros bishop influents qui étaient présents dans table ronde ça yo t'a parlé pays et nèg yo les Christian Emmanuel Sanon mon chèm pa bon menti monsieur te gen gros tantay sa rele ambition oui grand moun souvent tout debout gen ambition ou fait tout bagaille ou voler même c'est touyer Jovenel nan optique pour t'al prendre tête pays d'Haïti bagaille vraiment drôle bagaille vraiment en pile mais li important intéressant pour doit coûter voir information pour connaître avec Moinga Haïti gen deux produits qui déjà est à l'école à travers monde là gen outil gen bon gen outil assion pour mat 100% organique qui fait avec environ 8 produits comme ça et en même temps amis Haïti Media on yo la boyon allongement dans tol pinou de 3 à 5 cm massa étal plus tol pinou pendant 2 minutes fait ça deux fois par jour ou supposé jouer un résultat dans mosquée de mois et l'autre là lui même si, qui c'est gen bon qui sont comprimés qui fait avec 13 plantes naturelles ou ab juice prend 3 chaque matin dans 7 premiers jours yo ou supposé gaya suite avec problème bec à terre ou tab souffri depuis dig d'antan et la boyon augmentation dans libido relé dans numéro qui a passé en bas écran pour placer commande et pour capable joindre yon information en plus zami Haïti Media on yo li important intéressant pas doit écouter voir information toujours qui ton petit like dans vidéo ça montrer moi encourager ou remen j'ai des travail m'a fait c'est vrai nouvelle yo pas agréable à l'oreille mais moi même travail qui m'a fait pour moi li pas gain prix et au compte ça seule façon capable encourager c'est montrer moi bon petit like là ou partager dans tout groupe WhatsApp Facebook que ou même ou là dedans et mes amis Haïti Media on yo l'autre détail qui me bra le ba nous là si monsieur qui t'a mesuré belle costume yo il a pensé yo capable venir prendre tête pays à sans élection c'est-à-dire al prend chaise bourrée que au touye Jovenel Boulia et mes amis Haïti Media on yo sous Christian Emmanuel Sano pas prendre et pas au même cap 6 dans 12 et ben m'a dit nous là selon façon chef du gouvernement actuel que corps groupe mettait dans tête pays a en parlant de Ariel monsieur fait comprendre ni même si grand monde bien posé bien relax même pas bon menti et m'dame yo comment champ comment monsieur utiliser champ pour la caille moi tête là bien rose monsieur et celle les glavre qui dans régime PHTK tête il pas besoin caler parce qu'il caler tout naturel zami moi entendez bien monsieur mandé pas gain aucun chef d'état qui praler là comment qui pral chita sous chaise bourrée sans yo pas passer dans l'école là mais dans compétition qui c'est élection de ce fait vous même comprendre là gain tant gagné 119 partis avec regroupement politique qui gain tant manifester volonté yo pour yo participer dans élection qui prévoit fête dans pays m'pas connait si la fête demain si la fête après 3 mois si la fête après 10 mois mais élection gain pour fête là nèg yo relé Ariel là li fait comprendre tout nèg qui gain comprendre yo gain désir pour yo mettre yo dans tête pays d'Haïti pour aller prendre chaise bouya dans palais national pas gain problème rendez-vous à casser tant date élection à l'inscrit mené campagne ou parler avec peuple là cette fois c'est m'pas bon menti peuple là prépare un pokan à toute fourmi pour nous et m'pas bon menti rigozaï dans bout d'approche lié pour capable wichi nous parce que yo pas prendre un bout de parole si nous fait gros crime ça en vérité j'ai peuple là calé après l'an mort ça que nous bail président Jovenel pas oublier application zami moi yo li pas 2 li pas 3 li pote nos abdil c'est une application qui fait spécialement pour même qui dans business ou même tout qui gon bagarre la caille ou observer depuis dans temps
ou ta aimé passer là avec un autre monde, pas gain clientèle, pas gain problème. Fin download application ça mettez sur smartphone nous, faire photo produit ya et puis poster. Après ça bonne nouvelle parce que majorité monde qui trouvé yo dans quatre coins monde là, c'est sous gros bouton ton application ça, yo fait marché yo et avec Zap ou pas prend vieux tap. L'autre nouvelle qui important, intéressant pour annoncer nous, parti RDNP cap dirigé parti nom père éternel Loto oui, est-ce que nous comprendre et Eric Jean-Baptiste, monsieur lui-même li inscrit dans KEPA là, il dit pendant ce temps, l'a vé en haut, l'a vé en bas. Il dit demandé nous toute là si nous voulez faire ou la avec à l'inscrit parce qu'il est en prêt pour élection. Bagayo drôle, bagayo vraiment en pile ou ta men fait promotion pour ta men bon yon visibilité dans produit là, pas gain problème. Écris sous Haiti Media on à commercial@gmail.com pour un petit grab diamondé n'a ball of là et en vérité ton écris boulit ou ab satisfait depuis nan même c'est maintenant mes amis Paul Denis parle grand moun ba kon bay menti elle dit nan façon nan la j'y rive là pa gen aucun menti il bra le fait mais celle ça le dit li pas d'accord entre nan complot m pa konnen s'il vrai s'il mentor celle ça me connaît la justice même li pral trancher est-ce que nèg sa ou bien Paul Denis li gen sang effectivement en bas zone ni monsieur bishop sa ou nan pays d'Haïti bon si monsieur devait comprendre Paul Denis te dit li même li parler pour tête li pas accepter demande là pour te intégrer équipe là m'pa konnen si l'autre bishop yo intégrer équipe là nan non bon Dieu c'est gouvernement mettez dehors et vous mettez un paquet de monde et on confie le mandat yo et sous base ça et Sami Andal il met mandat d'elle c'est parce que c'est lui même qui te bail ça non Kaela ou bien loué ça non Kaela pour ça non capable faire réunion de Delma 60 il met mandat d'elle monsieur et monsieur Christian Emmanuel Sanon c'est pas parce que le Kaela lui dit que Sami Andal était au courant du complot d'assassinat contre le président. Première information. Ça nous continue pour le dire dans l'interrogatoire que tu as fait, question que tu as posé, que tu as chité à plusieurs personnalités politiques, notamment Paul Denis, Walki Louis, et lui rencontrer Pasteur Forge et Pasteur Bataille. Il parle avec eux, il dit qu'il va prendre le pouvoir. Maintenant, comme il citait non Paul Denis, moi, Gary Pierre Paulson, j'ai appelé Paul Denis. Je vais aller Paul Denis, je dis, maintenant, il était dans la réunion, mais tout de suite, il m'a fait description de mon nom. Comme je connais Paul, de pas de choses, je ne vais pas citer non Paul Denis. Parce que je n'ai pas qu'à faire ça. Mais je décris mon nom. Et Paul dit, mais effectivement, que tu as rencontré pasteur dans cadre mobilisation tu as fait contre Jovenel Moïse et pasteur a été il parle avec pasteur a dit il parle prendre pouvoir elle dit nous pas qu'être autre bagarre encore Paul minimiser pasteur a preuve il dit Paul dit il est arrivé là quand il dit madame ni mais ça on est dit c'est ça Paul Denis donc je ne peux pas accuser Paul Denis moi-même donc il derrière Paul si Paul c'était ça seulement que Paul Denis aller devant la justice, la police, parler de ça. Bon, le nommé Vincent. Vincent fait partie de deux Haïtiens qui étaient venus, l'un est sorti dans l'outal, dans Kinam 2. Côté la police est venue, il prend deux Haïtiens. Parmi eux, il y a le Vincent. La question à poser Vincent, et c'est là-bas à la bralle gâtée, même si gâtée nouvelle la bralle raide, Vincent dit que pendant la parade Badjo, Badjo relé son téléphone, lui mettait sous speakerphone Dimitri Era. Me saisi. Femme du jusqu'à présent m'a dit ça me saisi. Pas oublier ça me dit non. Vincent dit mais là une grande difficulté on s'est organisé n'importe qui m'a dit mais moi dit ça Vincent dit et puis il dit tout, il parle avec et puis il dit toute bagarre est correcte. La route est clair, ou qui doit descendre, nous déjà préparé dans le palais national, Napton, pour y aller mettre, nous ne pas mettre. Et parce que l'UNGPN organise déjà. Mais on parle d'informations sur l'UNGPN que Mbap Dil. Mbap Dil, parce que il n'est pas bon, parce que Mbap peut écraser quoi pour l'information. Ça peut-être la police a bali, mais c'est si il n'est pas moi pour bailler ça. Et donc, ça c'est pour Vincent. Et Vincent dit tout, l'arrivée qu'un président. Il était sous la cour avec colonel colombien que le Mike.
il va rentrer. C'est James Solage qui est entré, qui est président avec Resmam Commando. Bah, ça, c'est une enquête que vous voyez. Comme je vous ai dit, vous avez 10 minutes, je vous ai dit. Objectif, négocier selon James, c'était assassiner le président. Le final de parler. Et après ça, faire route à descendre, rentrer dans le palais, pour Madame Koch pour l'installer. Puisque Madame Koch t'es signé avec CTU, un protocole d'accord, que CTU déjà by Cob pour installation Madame Koch. Donc, suite à toute situation, ça, le commissaire gouvernement, PM, vient en pile pression sur lui, il a fait monsieur menace. Donc, je pensais fort par monsieur sécurité, lui-même avec Karl-Henri. Karl-Henri, c'est juge de paix qui a menacé. Et, on continue. Je cite nous Balthazar, Lini Balthazar. Comme si Balthazar, t'as un monde qui était là pour faciliter la prise du pouvoir. Bon, ça a étonné. Ça a étonné, mais ces nouvelles-là, c'est Negro qui dit ça. Et, bon, Vincent Solage à Christian dit, nouvellement bail toujours, et moi, je suis les pieds, je ne suis mais je suis gagné, Nexaudi, je suis rencontré Doisum et tout, je suis rencontré Pierre Espérance. Donc, je ne sais pas qui a rencontré Pierre Espérance. Kounia, moi, le Dimitri. Je suis Dimitri, mais je suis gagné source rapidement, et puis je dis, moi, Dimitri, il a dit lui-même, c'est vrai. Et il va dire qu'on n'est pas là avec personne, mais comme son gros chef lié, il était là, à citer non, parce qu'il appelle, puisque on t'a rencontré, il était évité déjà, dans quatre coups d'état, il n'a pas accepté, c'est normal pour Badio citer non, parce que Badio est capable. Donc, mes situations gagnent, qui développent en termes d'information, bagala compliqué, négo à parler en pile. Donc, le monde qui est au Cap, monde qui est au Caï, monde qui est Jérémy et ceux qui sont dans le plateau central, dans, au niveau du département du Sud-Est, des gens qui nous écoutent et monde qui est dans la zone métropolitaine parce que nous avons fait un pile d'efforts pour que gagner un pile monde qui vient tendre émission ça. Mais nous connaît, mais nous sommes monde qui moi aimé parler avec autorité, moi aimé parler avec la même autorité. Hein? Autorité. Mais je dis à nous qu'on est un acte 3. Mais l'on plus ou moins habitué à communication ou qu'on ça pour faire. Je dis à avant acte 3, moi une personnalité importante, la plus grande actuellement de la République, que m'inviter. Et j'ai fait exprès que ne pas annoncer. Nous venons pour qui ça? Pour des mesures de sécurité, un. Et deuxièmement, pour ne pas influencer Val Campagne, Marco et GPPC, pour ne pas dire mais quelle question pour nous poser. Nous connaissons, nous te mettre poser 1 million de questions, nous avons toujours été insatisfaits. Parce que l'on en place nous-mêmes, ou pas même poser 2. Mais nous-mêmes, je vous dis, pas qu'à gagner un monde qui a une mission pour diriger la Banque nationale. Après l'assassinat lâche du président de la République, Jovenel Moïse, et qu'en fait, il n'est pas venu parler avec nous. Vous l'avez peut-être entendu plus d'une fois, dans le point de presse, etc. Mais je crois. Pour la première fois, la participer dans une émission après la mort de Jovenel, quand elle a espace pour parler avec nous, pour l'adresser avec nous. Ça fait que je prends soin pour me parler avec un pile média qui est dans la ville provinciale. Pour être capable de relayer l'émission. Je connais nous en pile sur les réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, nous suivons. On connaît qu'il y a des médias n'importe quel instant que nous demandons, par exemple, Bobby Denis, relayer l'émission ça. Pour quelle raison? Parce que je pense que les paroles qu'a parlé, sont des paroles qui doivent intéresser nous à plusieurs niveaux. Premièrement, parce que nous avons un pays qui a un vide politique à cause de la mort du président,
même s'il y avait un premier ministre, Claude Joseph qui était là, mais il y a l'autre premier ministre, que le président Jovenel, avant de mourir, que était nommé, désigné, nommé, etc., qui était prêt à prendre siège, place et installer. Mais ce qui est important, c'est que la prise de pouvoir dans un contexte difficile, dans un contexte côté ligon mission sacro-sainte, pour aplanir les angles et satisfaire tout le groupe monde. L'ennemi de l'opposition était Jovenel Moïse, il faut le dire. Mais après la mort de Jovenel Moïse, puisqu'il y a eu un premier ministre de consensus et d'entente qui a été désigné, nommé et installé, je ne crois pas que cet homme, rapidement, prenne vini ennemi. Moi, pas dit que c'est ça. Mais cependant, sous pas de l'entente avec Jovenel, il y a un autre premier ministre de consensus. Je crois que c'est le moment de trouver l'entente et le compromis historique. C'est en ce sens que je vous annonce que mon invité est le premier ministre, docteur Ariel Henry. Monsieur le premier ministre, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Marie-Pierre Portchal, bonsoir. Bonsoir, auditeurs et auditrices de cette émission. Ça fait un pile plaisir, moi avec moi. Merci un pile, bien. Merci. Et on a rappelé tout le monde que Marco va rejoindre nous un peu plus tard et va à les campagnes, etc. Parce que le Premier ministre est très ouvert et il y a accepté toutes les questions. Alors, comme première question, monsieur le Premier ministre, on a cité plusieurs noms de personnalités qui étaient douées remplacer Claude Joseph, bien avant la mort du président de la République. Comment se fait-il que dans une liste d'une dizaine de personnes, que le président d'ailleurs m'avait confié, comment se fait-il que c'est ou même que je choisis? Et pourquoi? Moi, je ne connais pas. Je ne pour qu'il s'amène Premier ministre. La première fois, Yorilim, il était 1h30 du matin, je dormi. Non, pas trop dormi. Moi, je comprends que c'est une plaisanterie. D'autant plus que le monde qui tirait les mieux, ce n'est pas le président Jovenel Moïse. C'est des gens que je n'ai pas jamais fait politique avec eux, mais je connais eux. Et c'est des gens qui étaient des gens d'opposition. Moi, c'est que la principale raison qui fait le président Jovenel Moïse choisir, c'est parce que l'Iwem nan moi, elle te dit moi, l'Iwem nan moi, un homme d'État. Un homme d'État nan parcours moi, nan bagay que me connais et je me comporte vis-à-vis de yo. Mais elle te retourne nan moi, me pense, un nèg de dialogue qui ka parler à toute couche de la société. Et qui gagne entre li nan pratiquement toute classe politique là. Moi, c'est la raison principale qui fait le mal. Les choisir maintenant parce que l'ITVLE réaliser ça altérerait un gouvernement de réconciliation nationale. Donc, voilà ce que je crois pour qui ça a été choisi. En fait, le président Moui, qui joue après une nouvelle là? Le président Moui, en fait, de la soirée, de la nuit, deux heures peut-être avant, deux ou trois heures avant de mourir, nous avons parlé ensemble. Et nous avons parlé de formation gouvernement. Tu as un téléphone avec elle? Nous avons un téléphone avec elle. Nous avons parlé de formation gouvernement, de monde m'a rencontré et de même au-delà. Donc, dans la mi-temps, dans la nuit, il y a un monde qui relève. Qui relève moi, qui dit moi, et c'était un journaliste, qui dit moi, bon bagaille qui a passé, qui est président, USGPN, attaquer président. Il dit USGP, plaisanterie. Après ça, je viens d'apprendre que c'était dit. Et Port-au-Prince sont plein, mais. Depuis, on nous touchait tout le monde dans d'elle. Et je viens d'apprendre que le président mourit. Avant que le mourir, enfin que m'apprenne le mourir, ministre des Affaires étrangères, là, t'es relim. Pour le dire, est-ce que je ne parle pas président? Je dis, je me parlé avec la 11. Il m'a dit, est-ce que je compte ça qui passé? Je me dis, je des rumeurs. Et il dit, moi tout, que chef de la police a pris le relais.
que chef de la police a été passé la caille, il y a monté caille président. Bon, je n'ai pas besoin d'insister sur l'épisode ça, parce que c'est son passé, et son passé qui est douloureux, douloureux pour moi. Moi, c'est pour un pile monde tout. Toujours est-il que moi, m'apprendre les mourir, que comprendre que c'est un coup qui était visé tout le monde qui est en haut dans l'État, qui oblige me prendre le maquis, prendre des mesures de précaution. Ou jeter ou pas qu'on est. Bon, je ne sais pas qui est-ce qui a fait qui bagaille. Je ne sais pas avant, ça, je ne sais pas avant. Je dis oui, ou pas là. Voilà. Mais nous passons comme ça. Ok. Et je me dis, une bagaille que dans cap ça que nous vivons, nous vivons avec des hommes qui sont des hommes d'État quand même dans ce pays. Et ma psy des deux. Moi, c'est Claude Joseph a fait preuve de beaucoup de leadership dans un pays comme ça. Moi, c'est qu'il a fait preuve de homme d'État. Moi, c'est dans la manière dont nous finissons crise là, monter cela. Moi, c'est grand monde quand Joseph Lambert. Joe Lambert. Avec que me relais, que me parlais avec le matin. Pour moi, les présidents au Sénat, qui même s'il dysfonctionnel, il y a le président du Sénat, que me parle avec elle, que me fait des marches pour le rentrer, parce qu'il part en Haïti, me fait des marches pour le rentrer en Haïti. Et il lui montrait beaucoup de hauteur, beaucoup d'abnégation. Son nez qui mettait payant au devant de propre intérêt par lui, qui fait que nous arrivons non solution de crise, Jean-Noël est là. Tout à fait. Maintenant, qui Jean Oubral menait ou pour prendre pouvoir, mener négociation avec l'équipe Jovenel là, qui en difficulté et une nouvelle équipe que tu as cherché, joindre des partenaires dans, au niveau parti politique de l'opposition pour capable monter au gouvernement. Mission de gain et mission de gain, c'est rassembler le peuple haïtien. Rassembler le monde de toute idéologie. Vagabond, quand vous homme de bien, grand nègre, quand vous pauvre. Pour que nous puissions reconstruire le pays, pour que nous puissions sortir dans la salle. Le premier monde que nous discutons avec, d'ailleurs, première fois, premier monde, groupe monde que nous discutons avec, dans les fins de même premier ministre, c'est des groupes qui étaient autour du président Jovenel. Le mardi matin, le président mourait dans la nuit du mardi à mercredi, mardi matin, nous avons déjeuné avec des leaders qui étaient autour de Jovenel et que le président a dit pour ouais moi parce que c'est moi qui pral bay poste ministre donc c'est avec moi pour négocier. Mais c'est pas que yo. Dans la journée de mardi, essayons de parler avec le président Jovenel, il était voulu que il y ait des figures de l'opposition qui fait partie clair, qui fait partie du gouvernement. Non seulement ça, il était dit messieurs qui étaient monde qui était autour de yo de Lio, pas étonné nous en primature un bon monde. Que nous ne parlons pas. Président, pas étonné nous voyons dans la primature. Donc, nous avons pour mission tout. Nous réunir les gens qui ont été l'opposition à Jovenel. Les gens qui sont dans PHTK, les gens qui sont dans Lavalas, les gens qui sont dans Dirpod. Enfin, tout le monde qui est haïtien. Et qui voulait sortir dans la crise côté noyel. C'est ça m'a fait. Bon, c'est m'a pas avancé trop lentement pour moi, mais ces pays nous obligé à avancer au rythme pays a habitué marcher et pour que nous capable arriver à un accord politique qui permette nous gouverner pays de Kounia jusqu'à ce que gagne des élus qui arrivent à la tête. Actuellement, on a fonctionné en pays qui est de façon anormale. Tout le monde qui est responsable, il n'y a pas élu. Pas gagné élu à la tête. Et on va passer devant le Parlement. Et pas gagné Parlement pour me passer devant le malheureusement. Nous avons des sénateurs qui n'ont pas un nombre suffisant pour que prendre des lois. Pour qu'ils jouent le rôle correctement. Mais moi, je pense que yo là. Ils ont été élus. Il faut nous jouer nos gens pour interférer dans l'affaire politique, dans la prise de décision. Gouvernement Montéa, son met en place là, en plus, nous estimons que le manquer légitimité politique, c'est-à-dire manquer de représentativité des partis de l'opposition qui étaient contre Jovenel. Pour qu'il soit dans un petit temps, est-ce que les négociations étaient difficiles, notamment avec Nenel Kassi, André Michel, Yuri La Tortue, etc., et, comme si famille Lavalas, pour qu'il soit pas de temps pour joindre un consensus avant.
gouvernement font moyen niveau de plus grande ouverture, niveau plus inclusif que ça. Mais il y a un grand problème qui est dans la vie politique haïtienne. Et peut-être pas qu'en Haïti, mais qui caractérise la vie politique haïtienne, c'est méfiance. La méfiance. L'on dit mon nom, mais ça me l'a fait, il n'y a pas fin quoi net que c'est ça vous l'avez fait. Il y a quoi un dernier coup en bas, mais on va porter contre vous. Ils sont bien observés tous les jours. Ils sont bien observés pendant ma formation gouvernement, mais comme continue à observer. Si vous passez une journée, si vous passez deux jours pour parler avec un certain nombre de monde, vous pensez que vous faites d'autres alliances et vous quittez de côté. Moi, c'est le premier grand problème que nous avons gagné, c'est une urgence à ce que le gouvernement. Et un gouvernement qui est capable de représenter et qui est capable de prendre des décisions pour le pays. Nous avons un gouvernement par intérim, un gouvernement provisoire, qui était déjà là depuis trop longtemps. Et dans la mesure où le président mourit et un gouvernement provisoire, il était posé des problèmes. Et il était posé même des problèmes de sécurité nationale. Donc nous allons un petit peu vite, mais en disant que nous avons un gouvernement là, mais ce n'est pas un gouvernement qui pral. Ni un gouvernement autoritaire qui peut prendre des décisions sans pas inclure l'autre monde. Nous avons besoin de plusieurs formes pour nous. D'une part, impliquer le reste haïtien qui a fait politique dans la prise de décision. Pour nous impliquer le reste société civile dans la prise de décision politique. Mais aussi, nous avons besoin de nous. Parce que décision nous prenons, c'est une décision nous prenons pour le pays et qui concerne tout le monde. Et que nous devons ensemble, nous devons arrêter, j'en ai fonctionné pour que nous allions dans un environnement apaisé, et bien dit apaisé, vers des élections. Ok, d'accord. Maintenant, mais quel niveau est capable de dire gouvernement représentatif? Est-ce que vous avez dit nous comme parti politique de l'opposition qui compose le gouvernement? Alors, moi, je vais dire pour une bague. Il n'y a aucun monde parti politique qui compose le gouvernement. Je vais l'expliquer. Du moment que vous entrez dans le gouvernement, vous acceptez. Pas partisan encore. Nous choisissons un parti politique dans société civile pour être capable que effectivement nous avons un gouvernement qui n'est pas partisan. C'est-à-dire que son gouvernement qui n'est pas doué par un parti pour ni pour Paul ni pour Pierre. Et que pendant toute période électorale, pendant toute période que là, la PC rassemblé haïtiens, la PC fait que. Il reprend confiance dans l'État, que vous ne connaissez pas en l'État qui pourrait faire élection, qui apprend des décisions, qui a dépensé l'argent pour un parti, mais qui apprend un bagage pour toute collectivité, des décisions pour toute collectivité. C'est-à-dire, une fois qu'on choisit mon nom, il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de société civile, il y a même gouvernement. Il y a une obligation de solidarité. Il n'y a pas capable de prendre une décision, aller d'un côté ou de l'autre. C'est vrai que vous avez une sensibilité politique au départ. Et sensibilité politique là, c'est pour assurer que l'État est impartial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de fausse côté. Et c'est peut-être ça, moi je pense que il y a une place pour l'autre observateur venir. Mais si il y a des gens qui veulent venir, ni pour faire politique pour parti, ni pour profiter de ça qu'on dit, qu'on fait, prend l'argent de l'État. Pour faire politique, je pense que Mounsayo m'a découragé au vin dans le gouvernement parce que pas près très longtemps, parce que tout le monde qui a pris parti pour un parti, il n'y a pas carré dans le gouvernement. Ok, je vais aborder toi la question avant rapidement. Dans la démarche que tu as fait pour mettre le gouvernement sous pied, je suis courant que Gérard Gilles était pour le ministre et que Yuri la tortue te demandé au ministère. Il semble ni Gérard Gilles ni Yuri, ils n'ont pas satisfait. Ça veut dire, est-ce que vous avez un problème ou ça a été demandé de pas de travail ou du moins vous avez quitté un petit genre hésitant bien avant? Qui peut commencer? Gérald Gilles, c'est l'élève. Moi. L'élève moi, dans la faculté de médecine, c'est un ami. Moi. Yuri la tortue, c'est un ami. Moi, je pense que dans la négociation politique, les gens qui défendent la position politique, ils ont un genre dû en affaire. Oui. Et c'est normal. Et me comprendre. C'est normal que. Il y a une contribution différente de ça, il y a offert. Et c'est normal si ça a été appelé à pas jeune, il n'y a pas là. Ça ne veut pas dire que pour autant il y a écarté. Moi, je continue à parler avec tous les deux.
Okay. J'ai des bons rapports avec tous les deux et m'a prêté des amis au-delà de la politique, m'a prêté des amis. Pour me faire gouvernement ça, me gagne en pile contrainte. Okay. Des contraintes de tout d'abord. Première contrainte me gagne c'est que me commencé à fond pour en gouvernement avec autorité président Jovenel Moïse. Elle était bombé. Nous t'ai entendu nous sous une certaine manière de former le gouvernement. Et même kembe que j'aime d'entendre avec là, pour me former le gouvernement, c'est comme ça m'a fait. Nous sommes un monde qui gagne en parole, m'a gagne 36 paroles, mon parole c'est comme ça m'a fait. Ça c'est première contrainte. Deuxième contrainte gagne c'est que former bail le maximum de monde possible en dans gouvernement et faut le maximum de monde sentir à l'aise en dans gouvernement. Et non, parce que m'a baillot il y a des monde qui pensaient que par rapport à position par eux faut rejoindre plus. Il y a des monde qui pensaient que pas venir pour compte yo. Il y a des monde qui pensaient si m'baille yo ça faut zamien joindre en l'autre position. Donc c'est très difficile former un gouvernement. On garde on sorti on passer plusieurs nuits blanches. même jusqu'à la dernière minute avant que gouvernement sorti dans moniteur nous en négociation, on passe une journée difficile, obligé de fermer tout téléphone pour négocier, pour m'arriver former gouvernement. Donc, il y a des gens qui pas là. Mais il y a des gens qui viennent. Il y a venu d'une manière ou d'une autre pour venir soutenir gouvernement. D'accord. Maintenant, PM, on est qui limite tout, limite légale. Est-ce qu'il y a des bagailles que vu qu'on pas président, on pas qu'à faire? Vous voulez parler de moi ou de conseil des ministres? Ou même avec conseil des ministres, ça veut dire qui ça nous-mêmes? Est-ce que nous prenons toute décision que le président Jovenel est capable de prendre? À titre individuel, vous voulez dire moi-même? Moi-même, je gouverne dans l'article 139. Je gouverne sur l'autre article. Classe. À chercher la constitution. À chercher la représentation de l'État. Ok. On l'État, c'est on l'État. En l'État, ce n'est pas un bagage qu'on a exercé pouvoir par collégialité. Ça n'existe pas. Nous sommes premier ministre de plein droit. Nous sommes premier ministre qui a fonctionné dans le pays côté par grand président. L'on dit de plein droit, ça veut dire de plein pouvoir également? De plein pouvoir. Et pas gain un président dans la tête de l'État. Donc, moi. Après un certain nombre de décisions, moi, baille tête, moi, un certain nombre de limites. Pas on est qui prend toute décision. Un certain nombre de décisions, c'est un conseil des ministres nous prend. Yo, il y a des décisions pour engager l'État que nous prend pour contre moi tout. Ok. Nous qui parler au nom de l'État. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que ou qu'a révoqué remplaçant directeur général? Nous qui a révoqué, nous qui a remplacé directeur général. Nous qui a déclarer la guerre. Soit c'est plus clair. On a déclaré la guerre. C'est-à-dire que il y a des rôles que monde qui dans tête l'État eux ont des rôles dans l'État et c'est rôle pas moi. Même déclarer la guerre là, c'est gagner des décisions si m'aller à parler dans la communauté internationale, me parler au nom du pays. M'pas parler au nom de un groupe monde. Et très prudent, je m'a parlé tout à l'extérieur parce que je parlais au nom du pays. Très bien. Il y a un peu de monde, Captain, et un peu de parti politique qui t'a censé envie rejoindre pour le ministre ou l'équipe qui a dirigé là, dans le cadre de consensus plus large, mais qui souhaitait gagner un ami APN, ONA, OFATMA, AAN, OAVCT. Etc., etc., etc. Est-ce que dans le cadre, la douane, surtout la douane, et le cadre consensus qu'on va faire, est-ce que il est facile pour retirer un directeur général et pour faire une ouverture et pour faire un parti politique et pour dire donc avancer dans le cadre et on attaque? Moi, je me dis, nous ne sommes pas venus là pour nous séparer l'État. Dans la proposition de solution de crise, il n'y a pas de séparer l'État. Moi, c'est l'État qui me fait. C'est-à-dire que je viens consolider l'État, consolider l'institution. La lutte contre la corruption, c'est une bagaille qui est fondamentale que nous gagnons. Et moi, je dis publiquement.
n'importe qui moun dans l'État, que ce soit le ministre ou ta même moi-même, ou que ce soit directeur général ou l'autre employé qui a prend l'argent de l'État, qui a fait ça réglementairement, ça la loi dit pour faire la, avec l'argent, il a fait l'autre bail avec elle, du moment que moi-même, il arrive à attention par moi, Mounsa l'a révoqué, et pas uniquement révoqué, il a mené la justice. Il n'est pas question de nous séparer l'État. PM, permettez-moi de rire. Oui. On bouge ça. Bonsoir, moi en vacances. Sûr. Oui, ça veut dire ou accepter. Parce que bon, je dis, où est dans la douane, non? Pas grand-chose qu'on a fait. Et si tu arrives à faire un bagage, bon, plusieurs attentats, toutes les capes de sécurité dehors, il faut veiller sur ça. Des fois, fouer mon dans la douane, non? Il y a tué même la ouvre d'elle. Comme si niveau de corruption dans le pays, ça, surtout que son douane, qui dirigeait par un groupe nègre, et que tout nègre politique fait ça, vous voulez, et des élus fait ça, vous voulez, en dans la douane, non? PM, et pas dit m'dou pas là, non? Moi, je veux qu'on ait ce qu'on s'en a dit. Les m'accepter, vin premier ministre, m'accepter que m'ka mouri. Même la Jovenel. Et m'de dit avant que le mouri. Et m'bat penser que le tap mouri. Moi, c'est qu'on le, en tant que peuple, faut nous capables de changer, j'en ai fait à faire nous. Et que nous pas besoin de bot ferré, vini, apprendre nous la discipline. M'pas penser que pendant que, courte période que ma premier ministre là, m'a pas arrivé fait corruption disparaître dans le pays. Je m'a pensé ça. M'a rêvé à ce point. M'a fou. Même pas ce niveau de corruption, la faut baisser. La première chose, type de corruption qui doit disparaître, c'est ça relie la corruption apparente. C'est-à-dire que monde qui ostensiblement apprend bien l'État pour faire l'autre bagaille là, faut ça suspendre. Et moi je me dis, mon téléphone m'a ouvert. Si on a une preuve que bon monde qui prend bien l'État et qui a fait l'autre bagaille avec que ça lui fait, il met 10 mois, on prend les gens. Je ne vais pas faire la chasse aux sorcières. C'est-à-dire que je ne vais pas marcher dans la rue avec un baleine à chercher qui monde qui a volé l'argent de l'État. Mais tout le monde qui arrive, attention pas à moi, il a fait ça. Nous voulons bailler tête dans certaines disciplines, dans l'autre genre nous fait. Dans le premier conseil des ministres, je me fais des ministres très clair. Que des bagages, il faut faire. Il faut déclarer patrimoine. Que la corruption ne pas accepter ça, il faut déclarer impôt que vous payez. Il faut nous battre nos disciplines en tant que peuple. Il faut nous respecter tête nous. Il y a des règles pour la vie commune, il faut nous respecter. C'est ça, moi. Ok. Qui j'en parle convaincre parti politique pour l'élection, vu qu'en fait il y a David Jou sort après les deux la méfiance et pas de confiance dans le conseil électoral pour viser ça. Est-ce que en fait ou pas gagner dans le calendrier pour faire des changements au niveau du conseil électoral provisoire pour ramener la confiance au niveau des partis politiques par rapport à l'organisation des élections? Point bague, vous l'avez dit, si vous regardez bien, gonti frisson au niveau de la classe politique et au niveau de la classe des affaires. Mon frisson. Frisson, c'est que vous commencez à croire que nous allons aller vers un gouvernement, que nous c'est un gouvernement qui n'est pas bien force côté. Gonti frisson. Et là, pour elle, d'ici les jours qui viennent, je ne dis pas faire effet d'annonce, je ne pas faire date, mais dans les jours qui viennent, pour elle, de façon très claire, que gon un début de confiance qui commence à régner. Au niveau du conseil électoral provisoire, conseil électoral provisoire, grand pile méfiance vivant de lui. Par contre, monde qui l'a donné. Je me rencontre, je me fais réunion avec eux, même pas qu'on est. Ça me connaît l'opinion publique lundi, je crois que grand pile force côté, non, c'est le pays qui l'a. Dans la réunion, je fais avec eux, je dis, je ne vais pas demander, non, je ne vais même pas parler de ça. Spontanément, je dis, que vous croyez que faut nous faire des élections crédibles. Vous croyez dans ça. Et que si vous-même, vous avez pensé que c'est vous qui obstacle, vous disposez à aller. Oh. Moi, je me dis que c'est le monde CEP qui dit. Pour moi, ce sont des patriotes. Oui, évidemment. Ou pas qu'on est. Ou pas qu'on est. Ou pas qu'on est. Ce sont des patriotes. Je pensais que nous cherchons un accord politique et dans l'accord politique là,
faut nous bon conclusion, faut nous bon entente sur qui gens pour CEPA cap on CEP que tout qui inspire confiance à tout le monde. Donc entente accord politique là, il okay. Pas fait dans très longtemps parce que nous besoin ou déjà pour parler avec le secteur politique. Non, oui, non seulement nous en pour parler, nous presse, nous pas très loin font accord. N'a pas le fond accord et n'accord ça y a dit qui gens ça a dit parce que nous pressé faire élection. Est-ce que dans accord ça on prévoit à bon président de la République? Dans l'accord? Oui. Pas aucun mécanisme pour mettre pour le président de la République actuellement. On ne pas bailler tête. Ça veut dire le premier ministre dirige et actuellement il a une tête qui saute que nous pas mettre. Le président de la République là pas là. La République là pas là nous pas mettre. Donc on ne pas perdre du temps, on aller vite mettons président de la République. C'est-à-dire, on allait vite, nous font élection, nous mettons président. Ça veut dire, selon vous-même, pour qu'on président n'a pas l'air, c'est élection pour organiser. C'est grand genre nous gagnons pour nous faire. Vous n'êtes pas au courant, en tant que fête dans toute la rue, côté net dit, et Gadi Leblanc, Joseph Lambert, etc. Y a cité non, tout le monde qui a vu le président. Moi, je comprends, oui. Moi, très tolérant. Et non seulement tolérant, mais très compréhensif. Tout le monde qui t'a vu, bah, il fait ton l'autre genre. Mm-hmm. Mais nous, nous, pays, nous ne pouvons pas faire n'importe qui bagaille. Ok. Bon, maintenant, il y a une peur bleue au niveau des élites économiques de ce pays, vu qu'en fait, selon des rumeurs et selon gens, ça a fonctionné bien avant, entre président, avec certains éléments des élites économiques, et de la bourgeoisie, etc. Il y a un peu de monde qui croit que la bourgeoisie et certains éléments avaient conspiré contre le président de la République. Conspiration, ça fait un discours dans le pays à côté élite économique la peur en pile. Et surtout, il y a des qui annonçaient des choucages côté audio pour attaquer mon apoclair, mon qui a business, qui a du bac. Ou tandis tout, comme premier ministre, ou a une mission pour au moins parler avec le pays à, et puis expliquer est-ce qu'en fait, nous qui arrivons dans des choucages, est-ce que nous sommes capables d'accepter que des gens qui sont dans le pays subissent un déchoucage par rapport à un bagage qui est dans la tête. Qui joue à aborder la question ça pour ramener la confiance? Parce que le peuple, hein, peuple à lui-même, c'est tonne à tonne, et nous qui sommes quoi, ils ont peur. Ils ont presque jeté au quitter le pays. Donc, comment vous allez faire pour calmer et ramener à la raison tout ça qui a passé sous table politique? Moi, je me dis deux bagages. Dans la question, on prend deux parties. Même pour le premier volet, la mort du président Jovenel Moïse. Par contre, qui monde qui tue. Et pour moi, c'est très important pour me connaître qui monde qui tue, pour qui ça le mourir. Ce n'est pas le citoyen Jovenel Moïse qui est mort, c'est le président de la République qui est mort. Ça veut dire que n'importe qui monde qui a mangé des dossiers d'État, ou qui a tombé son bagage et ou mourir, on mourit, on mort ou pas comprendre. Moi, je ne vais pas mourir, je ne pas comprendre. Donc c'est peut-être ça, moi m'a insisté en pile, il faut un résultat. Il faut qu'on qui monde qui était derrière ça, qui monde qui tirait, qui monde qui recrutait, monde qui fait complot contre lui, qui monde qui payait comme pour ça au fait. C'est important de savoir. Et quelle est la raison fondamentale qui fait le mourir. Moi pour moi, et c'est même pas un problème, le président Jovenel Moïse, justice pour le président Jovenel Moïse, c'est pour propre sécurité, pas moins. L'important pour nous comme ça. Ça, c'est le premier bail, moi, je vous l'ai dit. Faut ne pas faire amalgame non plus. Nous gonfou tout, nous mettez tout le monde. Tout le monde nous bavle, ouais, nous dit c'est yo qui qui t'es tué ou qui t'es dans complot pour tuer. Faut ne pas faire ça. Faut nous, moi-même, m'couer en la justice, faut nous chercher justice pour tout le monde. Pays ça, gon économie qui pas bon. Pour moi, gens, structure économique du pays en fait, là, il n'est pas bon. Son structure plus marchande qu'une structure industrielle. Structure, les gens économiques, c'est une structure qui peut aller vers le développement. Il faut changer. Les gens qui gagnent l'argent dans le pays, les gens qui gagnent business, les gens qui créent des jobs, faut continuer à créer des jobs, continuer à faire l'argent. Même quoi tout, faut gagner l'autre investisseur qui allait dans le développement qui vient. Faut nous élargir. Cercle, faut nous produire plus l'argent, faut nous créer richesse pour que nous redistribuer richesse dans le pays. Donc nous pas capables toute la journée nous hing hang parce que l'autre langue a un discours en plus que moi
et me pas vle. Moi c'est que faut nous mêler nous tous ensemble quand comme dit au début faut monde qui riche en quand comme monde qui pauvre là nous mettre ensemble pour nous recréer pays. Déchoucage c'est pas une solution. Et me garde au matin me t'a dit à un monde qui a fait violence dans la rue et qui par hasard relé moi. Pas d'hasard de la part de lui. Mm-hmm. C'est pas hasard que me répondre mm-hmm. parce que numéro de téléphone moi c'est numéro de téléphone public et me pas le temps pour me répondre tout le monde. Et c'est peut-être samedi moun écrit parce que pour me répondre téléphone même te répondre moun et me dit moun que me connaît que dans telle région dans pays c'est lui qui a fait violence et me dit moi même personnellement m'a si gain violence dans zone ça lui responsable parce que me connaît c'est lui. Nous gain possibilité parler entre nous, nous gain possibilité discuter dialoguer. Violence là c'est pas une solution, violence pas nécessaire puisque nous capable aller. Nous capable aller pour nous prendre décision. Et donc ça n'a pas été fait, c'est mettre en structure dans pays pour que nous parler. Nous parler ça nous fait nous mal. Qui je nous ta vle pays reconstruit, qui je nous ta vle gain relation entre nous l'autre. Et on s'amrelé nous ta droit gain après à quoi un dialogue structuré dans pays qui permette que nous construisons pays à tout ensemble. Donc déchoucage pas la donne. C'est la responsabilité de l'État, de protéger les vies et les biens. Et pendant la période comme là, n'a fait tout ça qui n'a possibilité pas nous pour que l'État réponde à obligation pas là. Il y a un problème fondamental qui gagne parce que on parler, c'est comme si nous avions dit et tout bail pas facile. Et nous allons organiser l'élection, les partis pour venir, etc. On va parler à tout le monde. Mais une question fondamentale, Premier ministre. Comment est-ce que vous allez faire pour gérer les gangs? Parce que depuis la mort du président de la République, ils n'ont pas parlé. Ils ont été là, ils n'ont pas agi de manière violente. Ils ont plutôt parlé. C'est-à-dire, il y a Guénayo qui dit que. Il y a tant de justice et Guénayo qui dit qu'il ne faut pas le faire des ordres. Et Guénayo qui dit élection pas qu'à faire dire au pensé à la fois, il y a un résultat. Donc, les gangs représentent donc, nous avons dit, un groupe important, nous qui cadre ou placer Nexayo, est-ce qu'il y a moyen de parler avec eux, de négocier avec eux-mêmes pour qu'à quitter le pays, à évoluer, fonctionner pour atteindre l'objectif, monsieur le Premier ministre? Moi, je me dis que tout va être facile dans le pays. La preuve, c'est que je n'ai pas dormi en pile. Je suis un qui remet à bonne main. Mais depuis que je suis un Premier ministre, je dormi très peu. Je suis allé en pile. Moi, je suis disposé à parler avec un pile monde. Mais il y a un bagage que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas séparer l'État par gang. Nous ne pouvons pas financer gang. Nous ne pouvons pas accepter que la force, le monopole de la force dans l'autre main que dans l'État. Tout le monde qui gagne des armes, tout le monde qui a exercé la violence, faut qu'on ait que faut déposer les armes, faut suspendre la violence. De façon très claire, la police de plus en plus apprend responsabilité. M'abre dit encore, route carrefour la perméable. N'a qu'à circuler librement. Et c'est mais avec compromis en tête avec les gamins, mais c'est pas une question d'affrontement. Parce que en termes d'affrontement, nous pas les mêmes âmes avec eux, des plus monde parce que nous après vous depuis avant, nous pas jamais qu'à passer. Ça veut dire est-ce que vous allez utiliser une autre stratégie pour faciliter le retour des gens de Martissan qui se posent ces questions là parce que absurde qui leur fait retourner la caillou. Bandit pas gain plus âmes que l'État. Bandit pas pire plus que l'État. L'État qu'a mon faiblesse temporaire. Mais il est clair que l'État c'est l'État et l'État a exercé rôle li. Tout le monde qui campe en face de l'État, il n'y a pas arrêté de camper longtemps. Tout le monde qui voulait affronter l'État, il a besoin d'une réponse proportionnelle à l'affrontement. Est-ce que vous allez demander l'aide internationale pour arriver, n'est-ce pas? Nous n'avons pas bien de troupes sur le terrain. Pas de troupes. Nous n'avons pas bien de troupes. Jusqu'à présent, même car ces positions gouvernement comme il est là, que nous pas demander troupes. Mais ça nous demander encadrement, parce que police là, il pas préparé pour affronter ça là. Mm-hmm.
faut lui ajuster lui, faut lui gagner meilleur entraînement, faut lui gagner meilleur équipement pour faire face à ça le gagner. Ou annoncer que mon nouveau passé Matissan Alès. À m'annoncer que Matissan après aller à l'aise. M'annoncer tout que m'bral nan bureau régulièrement sans que yo pas obligé faire une sécurité spéciale pour mal nan bureau. On va parler de m'a parlé de bicyclette. Oui. M'bral nan bureau régulièrement. Et qui ça quoi? Et moi m'gado pas plus tard que jodi an m'était en réunion avec chef de la police, m renouveler le samedi, besoin al nan bureau régulièrement sans que pour autant yo pas font sécurité spéciale premier ministre. M'ba gen problème à ça, m'bien content dans ça, mais pour qui ça différence ça? Est-ce que les bandits ne sont plus là, ou du moins est-ce qu'il y a quelque part des structures et des monde qui ont capacité compétence pour parler avec eux, parce qu'ils sont toujours là, monsieur le premier ministre? Mais les bandits ne sont pas éternels. Moi mon père me connaît. M'des ministres de l'intérieur, m'des discuté avec eux. Yo tout yo mouri jeune. Oui. Et l'idéal, c'est pas que nous, les citoyens qui ont mouru jeunes. C'est soit ils décident de rentrer dans les rangs, soit ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là comme menace pour la société. C'est-à-dire qu'ils allent en prison ou s'ils allent affronter les forces de l'ordre, qu'ils mourent. Moi, c'est que nous avons volonté et nous avons détermination pour que le banditisme disparaisse. Et moi, je me dis, gen, par hasard, il y a nous deux qui arrivaient, relève dans le téléphone. Moi, je dis, moi, papa la bandit. Si on apprend que dans les autres, moi, je voulais parler avec nous. Mais si c'est bandit, je me dis, voulez négocier, poste dans l'État. Oui, oui, pas oui, oui. Ça, du tout. Je n'ai aucune négociation de poste de l'État avec des bandits. L'État, c'est l'État, les bandits sont des bandits. C'est tout ça que je dis dans l'immédiat, mais il y a une détermination. Que pour nous, l'élection, bon sécurité. Bon sécurité dans le pays. Et ça, c'est l'objectif premier que nous avons pour nous, que nous arrivions, pour nous gagner l'élection. Marco Pal vient rejoindre nous pour la deuxième partie de l'émission, ça, et pour le ministre. Et nous avons trois questions éclaires. Trois ou quatre questions éclaires avant de céder la place à Marco. Première question éclaire. Quelles sont vos relations avec Michel Martelly? Parce qu'on dit que c'est Michel Martelly qui avait facilité que ou même vienne premier ministre avec les discuter avec Jovenel et lui-même lui dit président Jovenel, c'est docteur Ariel Henry que lui-même livré. Qui sont qu'a dit pays à ce question ça? Premier bail qui est monde qui relève premier monde qui a proposé président Jovenel, c'est des gens de l'opposition. Et quand même préciser, ce sont des anciens parlementaires de l'opposition durs. Du Nord. Ça c'est premier bail me l'a dit. Deuxième, je me l'ai dit, je suis ministre dans deux ministères sous présidence Joseph Michel Martelly. Intérieur et Affaires sociales. Moi, j'ai de bons rapports ni avec le président Joseph Martelly, ni avec madame. Ni. Quand on a un rapport avec un pile l'autre monde, bon, même pas un rapport vertical, c'est-à-dire que ni prendre l'ordre, ni discuter qui ça m'a fait avec lui. Et je pense que moi-même, son monde m'apprend à connaître, je connais en pile, je connais madame un petit peu plus, mais je m'apprend à connaître. Son monde qui gagne en pile respect pour le monde, en pile respect pour l'opinion du monde. Il n'a jamais demandé en rien de particulier, ni dans le gouvernement ça, ni l'homme des présidents, des ministres. L'LTB besoin de bagaille dans le gouvernement, l'LTB vient demander est-ce que nous sommes capables de faire ça? Est-ce que nous sommes capables de faire ça? Et des fois, je me réponds oui, et des fois, je me réponds non. Là, depuis que je suis premier ministre, je me croise avec lui dans le funérailles, dans l'hommage que j'ai fait pour le président Jovenel Moïse, mais le Bajan me relime, ni pour dire employer un tel, ni pour dire prendre telle action pour lui. Et ce n'est pas le type de relation que j'ai avec elle non plus. Êtes-vous membre d'un parti politique? J'étais membre de l'Unité. Et partiellement membre créateur, membre fondateur de Unifos. Je suis campé dans le parti politique depuis 2016 ou 2017. Je suis campé parce que je pensais que le type de politique qui t'a mené, hein, pas mené pays à pièce côté. Et je me dis, compagnon de lutte, moi, amis, que faut nous changer, j'en ai fait politique.
et donc me décamper. Donc actuellement bah même aucun parti politique. Avez-vous des relations amicales privilégiées avec Paul Denis? Paul Denis sont des amis. C'est un ami depuis des années et nous étions amis. Nous avons des divergences. Tout le monde entendait dans la radio ça le décompte oui, oui, à oui, plusieurs oui. reprises. Mais là, malgré tout, nous étions amis. Nous avons des divergences politiques, nous avons des divergences d'opinion. Paul Denis est un grand ami et il apprête aux amis. Vous êtes le premier personnage de la police nationale, c'est chef CSPNUE. Donc le ministère de la Justice, le commissaire du gouvernement, met ton mandat d'amener d'ailleurs Paul Denis pour implication présumée dans la question assassinat de Jovenel Moïse. Est-ce que vous courant de ça? Et là, vous courant de ça, qui question posez tête? Non, moi, je suis tout le monde matin, je me levé, je vous raconte, moi, c'est le monde qui relève dans le téléphone, que j'ai des mandats d'amener. Pour être transparent, et m'a tout à fait transparent. Oui, bien sûr. Et m'a, tout, pendant tout le temps là, m'a transparent. La veille, hier soir donc, nous avons une conversation avec le ministre de la Justice et l'idim enquête là pas avancé et que gain on sait des nombres de mesures que d'après le point. Par contre, rien dans l'enquête là. C'est vrai que par rapport à la position que j'ai observée dans l'État, on sait des nombres de bails, il faut me connaître à l'avance. Bien sûr, oui. Parce que il y a des implications dans un certain nombre de décisions. Même pas qu'on a rien sous enquête là. Et ne pas entendre interférer dans l'enquête là. Ne pas rentrer dans l'enquête là pour quelque soit que, raison que ce soit. Geneba ne pas comprendre. Et Geneba ne pas comprendre, demander explication. Geneba ne pas comprendre. Très bien. Et est-ce que vous déjà face à face avec Badio? Badio, c'est un monde qu'on connaît. Moi, c'est Kim qui parle de Badio. Dans le pays, hein? Même bah ouais, face à face, Badio. Bah... Mais là, où tu sais, monsieur, monter toute opération, ça. Badio, pas qu'à monter opération, ça. Il va pas. Je ne sais pas s'il participe là-dedans, non, mais c'est pas qu'à lui. Ça, c'est de façon claire. Claire. Moi, non. Nous connaissons pas toute capacité, ça. Non seulement nous n'avons pas de capacité, mais même économiquement, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Enfin. Moi, je ne vais pas dans la police, la justice, non. Mais, sous mon minimum de jugeote. Avant, dernière question. Sacrifié, n'a fait à rien. Président prend une décision, il n'a pas avancé, et puis tout le monde, proche président, ouais, comme si, ou dit, ou pas sorti, et on va connaître, on va prendre une décision, ou pas éliminer Annie et Negro, pété coquet. C'est comme si nous avions dit, quelque part, il y a un groupe qui poussait. Pour prendre des décisions, ça c'est ça que fait ou t'es un blocage là. Expliquez pays pour qui ça ou t'es voulu aller vers d'avoir élimination année. Ok. Plusieurs bagages. Qui me commencer par mon introduction. Ouais, pays vivant une situation difficile, difficile émotionnellement. Nous ouais que pays en été fret, tout le monde frise les apprendre la mort du président Jovenel Moïse. Son bail inimaginable, inacceptable, inacceptable. Et révoltant. Le concert dans l'atmosphère à vivre là, nous gagnons un bon monde qui plus blessé que d'autres. Et moi, c'est que le monde qui était autour de président Jovenel, pas que perdit plus, mais il a plus. Ça va bah, faire plus mal. Il faut nous comprendre que le cas fait mal. Il faut nous attentif à leur douleur. Et moi, je suis très attentif à la douleur des gens. Anien, c'est une décision qui te prend. Et moi, c'est qu'ils sont une décision qui te prend. Ou il n'y a pas de peser toutes conséquences de décision, ça. Et qui, dans le décret, ça a violé en plusieurs endroits les droits fondamentaux de l'homme. Moi, je ne suis pas associé à rien. Qui a violation de droits humains. Qui a violation de droits humains. Rien. Sont irritants liés pour la classe politique. Moun yo kwè que bon service d'intelligence qui a rentré dans la vie privée, yo, qui est capable de faire n'importe quel type d'exaction la caillou, et son service d'intelligence qui n'a pas existé
il pas existé à rien. Il existait sur un papier et m'a dit même président Jovenel Moïse après que le fin prend décret, il était créé une commission pour révéler. Moi-même n'en retiré irritant yo, parce que moi-même dit tout que me va retirer tout irritant qui empêchait que nation mettait ensemble. Faut les uns et les autres disposer faire des sacrifices, les uns et les autres. Les uns, pas un seul côté. Les uns et les autres disposer de faire des sacrifices pour nous quand même ensemble. Donc pour moi, Anien sont d'une part c'est une agence qui pas existait, qui mettait nous pratiquement au bon des nations, tout pays étranger, même garde ou même moi, ils pensaient que nous font, nous prenons décision contre les droits humains. Gain des Haïtiens eux-mêmes qui se sentent menacés, donc moi-même pensais qu'il fallait enlever. Gain monde avec certaines sensibilités qui croient que c'est détricoté, c'est-à-dire que m'a retiré fil, m'a défilé, ça, président Jovenel Moïse. Il n'en est pas question, il n'en est pas question. Son aigle qui respecte monde et c'est pas problème supplémentaire de venir mettre dans le pays. Mais ça, problème, on a retiré. Donc c'est moun sa yo, yo viv li mal. Même ba autant pour comprendre li. Et pour y ajuster. Très bien. Dernière question puisque Marco déjà là concrète au niveau parti politique yo pour ou pas venir organiser élection pour Michel Martelly et Martine Moïse. Qui sera dit moun sa aucun parti politique qui dit vu que j'ai situation hier là. Il a pensé, il a bien aimé collaborer avant, mais notre perspective politique, il a dit que Premier ministre Ariel, c'est sûr que pas soutenu soit Michel Martelly, soit Premier dame, non, qui déclarait probablement le capable candidat à la présidence. Répondez aux questions ainsi. Madame Martine Moïse a le droit de poser candidature à la présidence. Et je pense que c'est son bon bagage. S'il pensait qu'il voulait, il capable de conduire l'État et que c'est lui qui a fait des changements, moi, je n'ai pas aucun problème dans ça. Le président Joseph Martelly doit décider que le candidat. Et ça, mon bon bagage, que le candidat. Ou même Gary Tour, ou il doit décider au candidat. Et ça, mon bon bagage, qu'au candidat. Que tout le monde fait campagne et que le peuple choisit mon livre. Ça me l'a dit. C'est que le gouvernement ne va pas faire élection pour personne. Ni pour Pierre, ni pour Jacques. Ni pour Madame Martine Moïse. Ni pour le président Joseph Michel Martelly. L'IPAP fait élection pour personne, l'a prêté en dehors des activités électorales. Nous allons au PM, donc nous allons continuer l'interview. Je n'ai pas de questions pour vous, j'ai deux ou trois petites questions. Et puis, c'est une question qui pide. Bonjour Marco. Nous là, nous en forme PM. Et nous connaissons que où sont premier ministre que le président Jovenel Moïse est nommé. Et président Jovenel Moïse, monsieur te gagne un agenda. Monsieur te gagne des points extrêmement importants qu'il te mettait dans 5e année mandat là, qui était courant, et référendum et puis élection. Donc, date référendum n'était pas passé, mais tu étais courant avec élection pour fête. Donc, je veux dire au premier ministre, président pas là. Est-ce que vous gagnez même feuille de route président te gagne pour organiser élection? Et dans le pays, ou bien est-ce que vous avez tant de négociations ou bien accord politique qui a gagné en tout même avec l'autre secteur dans le pays pour nous définir une feuille de route pour le pays qui connaît effectivement le gouvernement qui l'a, qui ça l'a fait, ça l'a fait. Ok. On commence par l'élection. Mandat gouvernement, ça, c'est fait élection. Parce que nous sommes un pays qui pas fonctionner normalement. Nous ne pouvons pas dire nous sommes un pays démocratique, pas gagné élu dans la tête. Pas gain, faut nous faire élection, nous pas gain le choix. Pour nous faire élection, faut nous faire non environnement apaisé. Nous pas pral faire élection bouillie vidée, demain matin nous lever, nous faire n'importe qui bail, yo mettez un président, yo mettez un parlement et puis c'est l'autre crise. N'a faire une élection pour que après élection payant rete calme, pas gain contestation post-électorale. Nous voulons faire élection sans passe pour qui, sans force côté. Donc ça, c'est mission pas. Et pour que nous sommes capables de gagner l'élection sans que
ne pas gagner trouble dans pays sans non environnement apaisé parce que grand rôle le gouvernement pas maintenant c'est occuper le environnement pour élection. Donc nous c'est peut-être ça nous à fond accord. Nous pas fond accord le 36 du mois non. N'a fond accord le plus tôt possible. Moi ça pas passé sans pas gagner accord. Faut nous accord. Faut faire à quoi le plus vite possible parce que mon gouvernement là qui ont tient sous starting block mission pas c'est faire élection donc les besoins remplis mission donc n'a font encore le plus rapidement possible. Deuxièmement faut que nous assurer sécurité n'a travaille sous lui ouais pendant tout ce temps n'a parlé là n'a travaille sous problème sécurité dans pays pour moun ka déplacer pour moun ka faire campagne pour que pays ka recommencer vivre n'a fait. On travaille tout sous ça moi les sécurité sociale, c'est-à-dire que grand pile monde qui grand grand très fort dans le pays. Nous pas qu'à dire que nous pral faire élection et nous pas adresser problème ça. Faut que nous capable ben moun yo manger, faut nous capable même si c'est une période courte n'a gouverner que moun yo capable joindre un emploi, que capable joindre travail, un job pour faire pour que ti jeune yo ka recommencer gain espoir. Nous voulons pendant période ça tout adresser bah Covid là c'est parce que c'est un bah qui tout à fait nécessaire pour nous adresser Covid. Et puis troisièmement faut nous faire l'état recommencer marcher gouvernement ça il pas là pour en éternité il voulait aller vite nous voulons faire élection le plus tôt possible. Est-ce que nous bah peut-être nous on limite le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible ça veut dire faut que nous gagnons un environnement correct, faut qu'on sache que tout le monde est d'accord avec lui, faut CEP à travail, les bailler un calendrier, c'est lui qui c'est CEP qui va déterminer le calendrier. C'est le gouvernement pas déterminé date élection. Si CEP a dit c'est demain matin élection, on a fait élection demain matin et après résultat bail, on a le fait autour de la caille. Oui, alors CEP on parler là, il est capable CEP qui va venir après accord politique là. Moi c'est que son CEP qui a consensuel. Par contre qui CEP la pied, mais son CEP que toute la classe politique, même la société civile, accepté. Et que je crois que pas pour faire élection, fausse côté. Ma brodie en bagaille, je voulais dire de façon claire. Je ne pas accuser monde qui dans CEP là-haut comme quoi des monde qui a fait des élections partisans. Moi, je rencontre, c'est des monde que je ne pas connais. Et que je rencontre moi des gens qui sont des patriotes, qui ont des raisonnements de patriotes, qui ont des suspicions, qui ont des méfiances qui existent. Et mes méfiances, il faut faire disparaître, il faut travailler sous lui pour que nous ayons un CEP que tout le monde accepte. Est-ce que le groupe politique vous rencontre déjà dans le cadre de Ndadi pour parler qui gagne pour un nouvel accord que nous allons signer? Est-ce que vous ne pas présenter le CEP qui là comme un irritant? Gagne qui présente le comme. Enfin, en pile, présenté comme un irritant. Et c'est irritant ça, nous avons ensemble en solution pour lui. Nous avons ensemble avec vous, ensemble avec CEP qui l'a en solution. Ou dit ou pas venir là, ou même pour venir séparer l'État et by moon. Donc c'est l'État ou venir, et ou venir travailler, ou venir essayer pour voir dans quel sens vous êtes capable de redresser. Mais nous sommes en période de négociation et il y a un gouvernement qui est censé spécial dans tête pays. Et si ça arrive dans le cadre d'accord politique que nous pourrions joindre, il y a fort des exigences pour qu'on sorte de replâtrage qui fait dans le niveau gouvernement. Qui est-ce possible? Si c'est un consensus pour nous replâtrer le gouvernement, si c'est un consensus, on n'a pas le droit de consensus d'appel. Consensus dans le cadre parti politique, société civile et gouvernement lui-même, puisque si c'est pour EFL, il faut le parti pour tout. Si c'est un gouvernement qui a rassuré tout le monde, s'il faut que des choses, des bagages pour nous changer, pour rassurer tout le monde, on a changé. Ça nous voulait aller de façon apaisée vers des élections. Nous pas venir faire la révolution, nous pas venir faire non plus, comment on a dit ça, copinage, mettre le monde. Parce que nous voulons contrôler l'État. Nous ne voulons pas faire ça. Nous voulons nous mettre dans l'État, si c'est nécessaire, monde qui comprennent que l'État, c'est pour nous tous. Donc, si dans la négociation,
li capable rive nécessaire que pour apaiser les gens, pour que tout le monde connaît yo nan yo fait partie de l'ensemble qui dirige, qu'il faut mettre d'autres gens dans le gouvernement à d'autres positions, dans différentes positions dans le gouvernement. Faut le mettre pour qu'elle sente à l'aise que c'est pas un gouvernement partisan. N'a pas fait changement, si vous faites changement. Nous connaissons la communauté internationale là, c'est censé en constante dans la politique dans le pays d'Haïti. Et qui type de rapport que vous développez avec vous? Pardon là. Une chose qui gagne, c'est que nous tellement des ordres que la communauté internationale là, obligée malgré lui, fouer bouche dans la fin. Même qui pis mal. Des fois, c'est nous qui allons jouer une communauté internationale pour nous traiter à faire pas nous. Il faut changer de manière de faire. Moi, je ne parle pas avec la communauté internationale, il y a certains monde qui trouvent me trop nationaliste. Moi, je pense que nous sommes un pays, nous ne pouvons pas vendre. Donc, il y a des choses, il faut nous prendre responsabilité par nous. Moi, j'ai des bons rapports avec la communauté internationale. Et j'ai des rapports d'adultes avec la communauté internationale. C'est-à-dire que je ne vais ni prendre l'ordre, ni je ne vais pas venir, c'est apprendre, ni prendre ultimatum, apprendre à laisser. Jusqu'à présent, moi, j'ai un pile respect vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis du pays aussi. C'est ça, moi. Et que ça, je souhaitais, c'est que Haïtiens traitent les problèmes et Haïtiens prennent des décisions pour tête pas. C'est ça, moi. Mais, sous-président Jovenel Moïse, il y a toujours bail date, période que vous croyez élection de fête dans le pays. Et dernièrement également avec Claude Joseph. Il était même dit qu'il faut élection faite pour capable un nouveau président bien rapide, même le 7 février. Et est-ce que vous pas venir avec date ça ou l'avez échangé avec vous? Jusqu'à présent, il n'y a pas aucune date. Et si vous regardez les mêmes déclarations que vous dit le plus rapidement possible. C'est le même bagage que vous dit, il dit. Donc nous avons une divergence pour les bagages. Moi, je pense que la communauté internationale est impatiente. Elle est impatiente pour nous revenir à un pays normal. C'est-à-dire que nous disons des bagailles, nous gagnons des échéances, nous respectons les échéances. Yo, marronnage là, c'est un bagaille que nous faisons entre nous, mais l'étranger ne pas comprendre le marronnage. Moi, je ne pas bonne date, je ne vais pas parler avec de date. Je demande qui m'a fait l'élection, je vais expliquer le plus rapidement possible et je crois comprendre tout. Moi-même, le plus rapidement possible, moi-même, je souhaite rentrer la caille, pas premier ministre encore. Le plus rapidement possible. Son chaise qui est chaud, qui est difficile, et je pense que nous avons besoin de commencer à bien les yeux nous tourner vers le développement, et pour nous tourner les yeux nous vers le développement, il faut nous avoir un gouvernement élu et stable. Et donc c'est ça que je cherche moi-même. Est-ce que ça arrive à parler avec membres du conseil électoral là, puisque. Et pendant que vous avez un accord, pendant que des groupes de l'opposition présentent le conseil électoral en tant qu'irritant, le conseil électoral a lui-même continué de travailler. Et il y a une phase extrêmement importante ces derniers temps, c'est l'inscription parti politique pour aller à l'élection. Et est-ce que ça peut arriver que vous parlez avec eux, ou t'as dit plus ou moins, ils font ralenti sur le genre d'activité, ça veut dire qu'il a posé problème. Ou bien, est-ce qu'après à quoi ça peut arriver qu'ils ont réouvert le registre là pour qu'il y ait plus de partis politiques qui décident d'inscrire pour participer à l'élection pour qu'il y ait plus inclusif? Moi, je pense que les gens sont des patriotes. Les gens, ce n'est pas des gens qui défendent un bout de pain ni un bout de job. Je dis ça, je parle avec eux, j'ai une longue discussion avec eux. Et m'a dit nous ça me dit yo tout. Me dit yo yo là. Yo si membre conseil électoral, yo pas capable baisser les bras, yo croiser bras yo pas faire. Y a touché l'argent l'état, gon certain nombre de bagaille faut faire. Élection c'est pas un bagaille qui fait du jour au lendemain. Il y a pile activité pour faire. Et moi m'encourager yo continuer activité yo personnellement jusqu'à ce que élection faite, jusqu'à ce que gon décision qui prend. Et je crois qu'ils continuent à faire. Par exemple, il y a des documents demandés, il y a des travaux demandés pour faire. Dans le délai que je demande, ils remettent mon. Je pense que ce sont des gens qui travaillent. Et ce sont des gens qui méritent du respect. Ok, bon.
Et on parle sur question sécurité, la sécurité est extrêmement importante vraiment pour nous réaliser l'élection dans le pays, mais tout pour le développement fait dans le pays, il faut l'apaisement, etc. Donc, faut que tout ça vous faites. Mais on pas entrer dans la logique, on a dit présence en force étrangère ou plus quoi que, et nous plus besoin d'aide pour aider nous avec la police nationale. Dans quel sens vous pensez aide ça doit venir? Il faut venir pour venir aider nous, entraîner la police là davantage pour capable arriver faire face avec gang qui gagne un peu partout à travers le pays ou pas quoi ça prend en pile temps avant d'arriver faire. Bon, moi je pense que une chose qui faut nous qui clair pour moi. Mm-hmm. Faut nous-mêmes haïtiens nous prendre responsabilité. Faut nous battre toute la journée à la main dans pion monde dit vienne faire la caille pour moi s'il vous plaît. Faut nous prendre responsabilité. Ça c'est pour une bail moi quoi. Les me garder la police n'est pas préparée pour faire face à ça nous là. Donc ça veut dire que faut nous reformater li. Faut nous réentraîner li. Faut nous réadapter li. Et pas que la police parce que tout accompagnement qui pour venir pour que nous capables faire banditisme disparaître, faut nous remettre au sous pied. Ça prend temps. Mais il y a des bagages li urgent pour nous faire. Youn ou ba ki urgent pour nous faire violence ça qui gagne hein, faut le disparaître, faut nous baisser, faut le vina en tout qui capable permettre que nous fait élection. Pour nous faire li, nous besoin entraîner force police. Pour nous entraîner force police, alors faut me dire moi même c'est chirurgien mais. Youn j'en formé en chirurgien, on fait des formations théoriques mais on fait des formations pratiques. Et chirurgien faut le coach. Qui aller sur le terrain ou qui aime meni ou au premier abord qui aime meni après il fait un certain nombre de gestes ou dit le geste ça pas bon mais qui en pour faire moi je pense qu'il faut nous gagner des monde qui encadrer police qui permettent que les plus efficaces et c'est dans ce sens ça que moi me fais des demandes au niveau de la communauté internationale de monde qui gagne capacité qui gagne la caillou capacité de prêtez nous pendant un certain temps des mouns qui ont encadré policiers pour venir plus efficace. Déjà, nous commençons à entraîner des groupes. Son terme anglais qui est dans la tête, même pas voulu employer parce que ce n'est pas juste. Mais nous avons besoin des groupes d'action rapide. Nous commençons à former à l'intérieur de la police et nous à augmenter la capacité de la police pour gagner des groupes d'action rapide qui permettent que la police soit plus présente. C'est indispensable pour moi dans le pays ça pour que nous recommencer peu la police. La peur du gendarme. Les force coercitive est nécessaire dans tout pays. Si pas gagner répression, c'est le libertinage qui gagne. Donc faut nous en même temps que n'a fait ça oui, les vetting dans la police, nettoyer la police éventuellement s'il le faut, rééquiper les, faut nous encadrer les. Alors le plus souvent, et les pouvoirs ou bien souvent la police ou c'est président CSPN parce que c'est premier ministre, les ou bien agir assez souvent gagner en face ou les organismes de droits humains. Est-ce qu'on tient compte de eux dans cadre opération que la police capable de mener dans des zones et que et groupe ça yo pour m'a parler de organisme droits humains cette fois-ci pour pas camper en face. Non, ma peu personne camper en face moi et m'a souhaité que personne camper en face moi. M'a pas gain opposition. Gagne qui gagne désaccord avec moi, gagne qui cale dans l'autre direction pendant un certain temps, mais place il y a toujours à côté moi, il y a toujours le bienvenu les retourner. Et m'a pas tirer boulet rouge sur. Si nous regardons la dernière crise qui a eu, intérêt payant supérieur à intérêt PAM. Je n'ai aucun amour propre. On est mettre jour et moi, on est même à la limite de la l'autre. Si c'est pour payer, je accepte. Je ne pas bouger. Organiser les droits humains, je pense que c'est nécessaire dans le pays. Et me respecter. Et me respecter le travail à faire. Il y a des fois, il y a des incompréhensions. Il y a des gens qui disent même bagaille les uns avec les autres, mais ils ne comprennent pas ça l'autre lundi. Moi, je pense qu'il faut nous harmoniser les relations avec les droits humains. Il faut nous respecter les droits humains.
et même si c'est samedi la police, c'est samedi ministre yo, pendant que là deux ou trois fois moi me dit il faut respecter la liberté individuelle, il faut respecter les droits humains, n'a pas respecté. Moi c'est qu'il faut un meilleur partenariat avec les droits humains. Et c'est ça moi je prends le travail sous lui pour que nous gagnions une meilleure compréhension de la problématique par les droits humains et de leur compréhension qui j'ai comprendre le problème yo, pour que nous capables tous dans le même sens. Makwe aucune organisation de droits humains qui veut soutenir bandi. Makwe aucune organisation de droits humains content jeune à vivre la kounya. Donc on joint un modus vivendi, on joint une entente pour nous qui gens nous pour adresser problème yo et même pour que dans cette opération que moun droits humains accompagner la police même pour ouais de visu pour que vous comprenne problématique. Dans la nouvelle élection nous allons faire n'a pas caté nous complètement des référendums non ou bien n'a pas trouvé. Alors moi mon problème. Mon problème c'est mon problème. Le référendum mais problème non pour président Jovenel Moïse même cadeau il était parlé avec de ça et jour que le dit définitivement c'est où qui premier ministre ça. Il était dit moi deux bagages. Il dit moi voulais faire constitution, refaire constitution c'est pas pour moi, c'est pour le pays. Deuxième bagage, il dit non, moi souhaitais que vous occupez de ça. Il dit moi dans une semaine, bon mouri entre temps, une semaine après que me fin prend charge premier ministre, il t'a promettre moi draft constitution que conseil consultatif indépendant faire. Et que moi-même, j'ai pensé que Fomda Potil dans une université, qui est l'université Kiskeya, pour que vous relisez, que vous réécrivez, que vous reformatez. Éventuellement, je me suis dit, éventuellement, vous ajouté des experts, d'autres experts, et que vous avez deux bagages que vous avez tenu à lire dans la Constitution. C'est l'équilibre des pouvoirs et la diaspora. Moi, je m'abdou ça comme il mourit et comme l'El Tab dit ça, un témoin qui était là, témoin qui a témoigné que c'est ça le dit. Dans la mesure où m'accepter job là, j'ai accepté que prendre constitution, re-aller dans cher Joseph Janvier de l'Université Kiskeya pour que je re-relis, pour que je re-écris. Dans l'accord que nous avons fait, la Constitution doit un parti pour qui j'en ai la Constitution. Je pense que qui s'en a fait avec lui après, c'est fort que dans l'accord, tout le monde l'a donné. Et dans l'accord, il y a un monde Jovenel là-dedans, du président Jovenel, monde PHTK, monde Lavalas, monde DIPOD, monde société civile, non? Et monde l'autre parti politique. Pour constitution, si nous pouvons faire changer en constitution, c'est une règle de vie que nous commune à tout le monde. Nous ne pouvons pas faire en constitution que c'est deux ou trois nègres qui font lit, mais c'est une constitution que toute population accepte que nous sommes capables d'aller sous l'ordre constitution. Ou dit à quoi nous ne prenons pas le temps pour nous joindre. Et vous parlez de l'ensemble de partis politiques là. Et que nous devons joindre un accord, un modus vivendi ensemble avec vous. Ça arrive que vous chita avec un parti, tant que famille Lavalas, tant que petite Desalines, vous chita avec vous? Je chita avec un pile monde, je ne vais pas faire spécificité. Je chita avec un pile monde, je ne vais pas continuer à arriver chita avec tout le monde, mais je chita avec un pile monde. Je tendais un pile monde. Et il y a un monde que je beaucoup, même penser d'ici la fin de la semaine, je vais pratiquement tout spectre politique. Ou car il y a des nouveaux partis que je ne sais pas, parce que je découvre que chaque jour, il y a un qui est les moins, des nouveaux. Je dis, nous, c'est 60, 67 partis, il y a un parti qui est nouveau. Les petits partis, c'est un parti qui fait cap fait, qui n'a pas déjà mal dans l'élection. Peut-être que il y a un que si je ne sais pas, m'excuser auprès de eux. On a toujours qu'à jouer le pour nous parler, pour nous ouais, pour même souhaiter que nous partie. Donc, je pense que c'est la majorité des Haïtiens qui doivent accepter.
qui accepte de accepter une nouvelle constitution ça, et qui doit dans la quoi. OK. Bon, et nous pas le fini mais comme on a parlé d'élection, élection en Haïti toujours un gros budget et nous dans mois d'août, donc ça veut dire que nous dans dernier trimestre exercice fiscal là. Est-ce que nous prévoir un autre budget? Est-ce que nous prévoir support international pour qui aider nous à organiser l'élection? Alors, moi, je vais commencer par budget pour l'élection qui fait là. Gagner un parti qui est un support international, un parti qui support l'État haïtien. Ça me constate, c'est que l'État haïtien mettait dans sa rue les basket fonds, là, toute contribution de Tédoué Bail. Il montrait bonne volonté de limiter toute l'argent. Là. Nous parlons de budget rectificatif. Avant le 1er octobre, un bon budget rectificatif. Nous prenons l'autre budget, année 2021-2022. Et dans le budget, nouveau budget, nous prenons comme pour nous faire élection. Élection, son passage obligé. Que nous sauter, que nous pomper, faut nous joindre l'argent pour élection. Que l'étranger appelle l'argent, que l'étranger pape met l'argent, faut nous faire élection. Il faut qu'être clair que si communauté internationale n'a pas voulu aider nous pour nous faire élection, faut nous serrer ceinture nous pour nous faire élection ça. Nous pas gain le choix, faut nous faire élection. Est-ce que nous parler avec 10 sénateurs qui étaient en bas pour nous donner un consensus avec eux, ça te permettre que nous réaliser les élections générales pour tout pays là. Ça nous va avoir 10 élus qui étaient là et puis nous va avoir un problème sous temps de mandat, etc. Alors, on a dit que si on a dit qui est en retard dans le programme, c'est parler avec 10 sénateurs. On a parlé avec eux et on a parlé avec eux pour me connaître si oui ou non ils sont capables d'aller. Ce n'est pas ça, moi-même. Moi-même, ça qui intéresse moi, c'est que j'ai 10 élus qui là, 10 élus que l'État reconnaît et que 10 élus ça yo faut arriver by contribution dans marche l'État et me voulais une réunion avec yo pour nous entendre nous sur qui Jean Bay ça va élaborer. Moi je parler avec quelques sénateurs même d'avlé d'ici avant le début semaine prochaine là, que me river parler avec eux collectivement pour que nous river à en entendre parce que yo même tout faut que vous participez à la vie publique haïtienne. Et nous content de répondre à cette question parce que grâce à Delva, il était besoin de faire une intervention pendant le palais. Je me dis que donc il n'est pas nécessaire. Moi, je dis l'inviter demain plus tôt pour nous parler. Et il dit, pour le ministre, pour qu'on rencontre nous, parce que c'est pas seulement Lambert qui gagne. Heureusement, m'a posé la question. Donc, une rencontre avec le sénateur qui c'est lui, c'est pour très bientôt, monsieur le président. Oui, moi je voulais excuser auprès du sénateur que je ne vais pas parler avec. Ok. Mais dans la programmation, il faut me parler avec eux. Individuellement, il faut me parler avec eux, tout collectivement. Moi, ce sont des élus, il faut les respecter. Et non seulement il faut les respecter, mais il faut que dans la marche de l'État, qu'ils incluent dans la marche de l'État. Très bien. PME, on met Fontitane, tout petit. Et moi, t'ai gagné en quelques minutes. Hein, t'as fait 10, mais m'a fait moins que ça pour me bailler une nouvelle qui est extrêmement importante. Et m'a dit pour excuser nous pour ça. Dans le cas d'assassinat président de la République, là, moi, t'ai fait deux actes déjà, acte 1 et acte 2. Maintenant, pour l'acte 3, je t'ai dit 10 minutes. Mais vu la situation, m'a fait moins que ça, m'a bailler une nouvelle là. Peut-être, n'a pas tant élaboré une nouvelle là parce que m'a voulu faire notre corps souffrir pour ça. Nous remarquons qu'il y a un pile mandat que le commissaire gouvernement mettait dehors et vous mettez un paquet de monde. Et nous confions le mandat et sous base ça, Samy Andal, il met le mandat d'elle, c'est parce que c'est lui-même qui était bail sa non Kaela, ou bien loué sa non Kaela, pour sa non capable de faire réunion de Delma 60. Il met le mandat d'elle, monsieur. Et monsieur Christian Emmanuel Sanon, c'est pas parce que le cas là, il dit que Samy Andal était au courant du complot d'assassinat contre le président. Première information. Sanon continue pour le dire dans l'interrogatoire que tu as fait, question que tu as posée.
que le chita à plusieurs personnalités politiques, notamment Paul Denis, Walki Louis, et lui rencontrer Pasteur Forge et Pasteur Bataille. Lui parle avec eux, lui dit qu'il doit prendre pouvoir. Maintenant, comme lui cité non Paul Denis, moi, Gary Pierre-Paul, j'ai appelé Paul Denis. Mbaye Paul Denis, je dis à Matin, moi, l'élite dans la réunion, mais tout de suite, l'homme a fait description de mon nom. Comme je connais Paul, de pas de choses, je ne vais pas citer non Paul Denis. Parce que je n'ai pas qu'à faire ça. Mais je décris mon nom. Et Paul dit, mais effectivement, que tu as rencontré Pasteur, je n'ai pas mobilisation que tu as fait contre Jovenel Moïse. Et Pasteur a dit, il n'y a pas la veille. Pasteur a dit, il n'y a pas le pouvoir. Et il dit, nous pas qu'il y a trop de bagarre encore. Paul minimise Pasteur à preuve, il dit, Paul dit, il est arrivé là, car il dit, madame, ni mais ça, on est dit. C'est ça, Paul Denis. Donc, je ne peux pas accuser Paul Denis, moi-même. Donc, il y a derrière Paul, si Paul, c'était ça seulement, que Paul Denis allait devant la justice, la police, parler de ça. Bon, le nommé Vincent. Vincent fait partie de deux Haïtiens qui était venu là, il est sorti dans l'outal, dans Kinam 2. Côté la police est venu, il a pris deux Haïtiens. Parmi eux, il y a les Vincent. La question à poser Vincent, et c'est là bah, la bralle gâtée, la m'dit gâtée nouvelle, la bralle red. Vincent dit que pendant la parade Badio, Badio relé, sous téléphone, lui mettait sous speakerphone, Dimitri Era. Je saisis. Femme du jusqu'à présent, m'a dit ça, je saisis. Pas oublier ça, me dit non. Vincent dit, mais là, il y a une difficulté, on s'est organisé, n'importe qui m'a dit. Mais moi, je dis, ça, Vincent dit. Et puis, il dit tout, il parle avec elle, et puis, il dit, tout bagaille est correct. La route est claire, est claire, où il doit descendre, nous déjà préparé dans le palais national, Napton. Pour y aller mettre, nous ne pas le mettre. Et parce que l'IGPN organise déjà. Mais on parle d'informations sur l'IGPN que Mbap dit. Mbap dit, parce que il n'est pas bon, parce que Mbap peut écraser quoi pour l'information. Ça peut-être la police a bali, mais c'est pas moi pour bailler ça. Et donc, ça c'est pour Vincent. Et Vincent dit tout, l'arrivé qu'un président, il était sous la cour avec colonel colombien qui est Mike. Il va entrer. C'est Jim Solage qui est entré, qui est président avec reste commando. Bah, ça c'est une enquête que vous voyez. Comme on était rendez-vous pour 10 minutes, je vais nous. Objectif, négocier l'ondième, c'était assassiner le président. Le final de palais. Et après ça, faire route à descendre, rentrer dans le palais pour Madame Coq pour l'installer. Puisque Madame Coq était signé avec CTU, un protocole d'accord. Que CTU déjà by Cob pour installation Madame Coq. Donc, suite à toute situation, ça, le commissaire gouvernement, PM, vient en pile. Pression sur lui, il a fait monsieur menace. Donc, je pensais fort par monsieur sécurité, lui-même avec Carl Henry. Carl Henry, c'est juge de paix qui a menacé. Et, on va continuer. Je cite nous Balthazar, l'une Balthazar. Comme si Balthazar, t'as un monde qui était là pour faciliter la prise du pouvoir. Bon, ça étonne. Ça étonne, mais ces nouvelles-là, c'est Négro qui dit ça. Et, bon. Vincent Solage à Christian dit nouvellement baille toujours et moi m'dé les pieds m'a joni mais il était gagné nexao dit il était rencontré Doisume et tout il était rencontré Pierre Espérance donc m'pa connait dans qui cas de te rencontrer Pierre Espérance kounya moi le Dimitri m'pa joni Dimitri mais et moi gagne source rapidement et puis il dit moi Dimitri il a dit lui-même c'est vrai. Et il va dire qu'on n'était pas là avec personne, nous, mais comme son gros chef lié, il était venu à citer non, parce que Opel, puisque on était rencontré, il était invité déjà, dans le cas de coup d'État, il n'a pas accepté, c'est normal pour Badio citer non, parce que Badio est capable. Donc, mes situations gagnent, qui développent en termes d'information, bagarre compliqué, négo à parler en pile. Donc, l'arrivée nous va aller, PM, merci parce que tu as accepté. Je voulais dire un petit remarque. Oh, Marc. Tout ce que dit là, je ne suis pas au courant. Non, pas du tout. Je ne suis pas au courant du tout. Et je pense que
les affaires de justice doivent se régler autrement dans ce pays. Je pense qu'il y a un autre champ pour nous régler les affaires de justice. Ça, c'est pour moi, je me l'ai dit. La deuxième chose qu'il y a, c'est que dans le genre possédé, il est capable de gêner la recherche de la vérité et il est capable pas bon pour des citoyens aussi. Il faut faire très attention. Et tout ça me m'a dit dans les médias. Passé, même parce qu'il y a des actions que le gouvernement prend, qui c'est pas normal. Même ce ça me voulait, c'est que la vérité soit dite, que la justice soit administrée. C'est-à-dire que le président Jovenel joigne justice dans tout le bail. Merci à Pile.